Quoi d'autre comme problème? Par exemple, comme les crédits, des trucs comme ça. Crédit, ok, d'accord. Est-ce que vous avez une femme? Non, je suis Non, célibataire. célibataire, ok. La femme aussi, ça fait six sujets de prière que nous allons tout de suite soumettre à Dieu et vous allez voir dans les jours à venir comment votre vie va changer. Je prie pour vous. Votre prénom? Moi, c'est Christophe. Christophe, moi, c'est Franck. Je prie pour vous. Moi, je prie aussi pour ma mère, parce que ma mère, elle est partie il n'y a pas longtemps. Ah, elle est partie? Ouais. À quel âge? Elle avait 71 ans. Ok, d'accord. Elle avait des problèmes de santé, tout ça. D'accord. On va prier pour tout Ouais, ça. ouais. Et vous avez des problèmes de santé? Bah, moi, pour l'instant, non, ça va. Ok. Ok, d'accord. Donc, on va prier pour que ça aille toujours bien. Voilà. Voilà, il y a ça aussi. Il y a la prière préventive. Donc, c'est ce qu'on va faire. Nous avons sept sujets de prière et nous prions maintenant pour que Dieu vous épargne de toutes sortes de difficultés à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je prie pour Christophe et tu le connais très bien. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur dans sa vie. Que sa vie soit renouvelée à partir d'aujourd'hui. Tu connais les sujets qui sont sur son cœur. Le chagrin du fait du départ de sa maman, problème d'absence d'une conjointe, le logement, le travail, il y a l'alcool, il y a la cigarette. Au nom de Jésus, que toutes ces difficultés aillent à la poubelle à partir d'aujourd'hui, que cela disparaisse de votre vie et que vous ne soyez plus la même personne au nom de Jésus. Amen. Voilà, amen. Voilà. Je suis toujours ma prière. Voilà.